Nous sommes en compagnie du commissaire Babacar Sarr, directeur de la police routière. Commissaire Babacar Sarr, bonjour. Vous êtes à votre deuxième intervention dans cette émission et ce soir nous parlons du danger de l'utilisation du téléphone portable au volant. Quelles sont les dispositions que vous avez prises en cette fin d'année par rapport à cela? Le téléphone au volant, c'est l'une des infractions du code de la route. Les dispositions sont prises, même pas au moment des fêtes. Avant les fêtes, les dispositions sont déjà prises, parce qu'il y a un texte qui l'interdit. Je m'en vais même m'hasarder de vous donner les chiffres d'accidents par rapport au téléphone au volant. Si je prends la commune de Dixi, il y a eu au moins 8 cas d'accidents téléphone au volant. Bambeto, il y a eu au moins 22 cas d'accident de circulation de téléphone au volant. Matoto, il y a eu au moins 15 cas d'accident au volant. C'est-à-dire les gens qui utilisent le volant. À Kaloum, il y a eu au moins 24 cas. Donc vous voyez, c'est le chiffre éloquent que les gens doivent comprendre. Tu es devant le volant, tu conduis, c'est un danger. C'est un danger parce que tu peux être surpris, c'est-à-dire d'une information, d'une nouvelle familiale, aussitôt tu perds le contrôle de ton volant, tu viens te buter à un mur, au terre-plein central ou un arbre. Tu peux même mettre la vie en danger des autres passagers. Mais de nos jours, et les taximètres, et Paul, et Pierre, tout le monde utilise le téléphone au volant. Le téléphone au volant, nous sommes là, on observe, et nous prenons des dispositions. Quel type de disposition vous avez prise, mon commissaire? Vous dites que les taximans sont là, les usagers sont là, ils utilisent en permanence le portable au volant. Quelles sont réellement les dispositions? Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez de telles actions? Cette année, téléphone au volant, il y a eu au moins quelque chose de 12 millions de verbalisations par rapport au téléphone au volant. C'est-à-dire, c'est une amende de 4e classe. 40 000 francs. Dès qu'un citoyen est interpellé suite au téléphone au volant, là il a une amende de 40 000 francs à payer. S'il persiste, on le met en garde à vue pour 48 heures. Mais j'ai l'impression que ça, cette loi n'est pas appliquée, mon commissaire. Madame, si cette loi n'est pas appliquée, je vous inviterai d'utiliser le téléphone au volant au niveau d'un carrefour ou être suivi par un policier, vous verrez que c'est appliqué. Les documents en font foi, parce que j'ai reçu une verbalisation. J'aimerais que vous veniez, on vous montre la preuve de ces verbalisations. Vous allez voir ce que la police fait. Mais écoutez-moi, il ne s'agit pas de verbaliser. Il y a lieu qu'on se sensibilise. Il y a lieu qu'on se respecte. Il y a lieu qu'on soit conscient. Quand on est conscient, voit le danger et qu'un texte qui l'interdit, à vous d'interpréter ça au niveau, au sein de votre famille, au sein de votre propre niveau, pour ne pas attendre que le policier soit là pour vous interdire. Connaissant le danger de ce que ça vaut. Est-ce qu'il y a des usagers qui résistent quand vous les interpellez téléphone en main? Je vais sortir, faire des simulations, vous allez voir. Chaque 5 minutes ou 10 minutes, vous verrez que les citoyens passent, traversent ou conduisent avec le téléphone au volant. Pour eux, c'est pour les citoyens. C'est-à-dire, arriver à un carrefour, sachant qu'il y a un agent, il laisse le téléphone, il met ça sur le fauteuil. Dès qu'il dépasse, il traverse, il reprend encore le téléphone en appelant. Parce qu'ils ne sont pas assez sensibilisés sur le danger de l'utilisation du téléphone. Madame, ils sont sensibilisés, ils sont tous au courant de l'enjeu. Ils sont tous au courant de ce que cela coûte. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, on ne couvre pas tout le pays. Oui. On ne couvre pas tout le pays. Le nombre de policiers sur la route n'exprime pas réellement le nombre de populations ou le nombre de personnes qui utilisent le téléphone. Donc s'il faut être à chaque 10 mètres ou à 5 mètres, c'est-à-dire d'un carrefour, c'est plus ou moins impossible pour le moment. Mais nous sommes en train de recruter pour que le ratio soit plus ou moins là, pour qu'à chaque 10 mètres, à chaque 20 mètres, qu'il y ait un policier. Là, toi, citoyen, qui
veut tromper la vigilance du policier qui est au carrefour, arrivé à 10 mètres, vous verrez qu'il y a un autre et qui va t'interpeller et tu seras soumise à une amende de 40 000 francs. C'est ce qu'il faut retenir. Et mon commissaire, quel est votre dernier mot, le message en cette fin d'année aux usagers justement du téléphone portable pendant la conduite? Les vœux les meilleurs. Qu'elle soit une année de paix, de santé, de longévité, de prospérité. Si aujourd'hui vous êtes dans nos murs pour parler vraiment des actions de la sécurité routière, des interdits par rapport au code de route, on ne fera que vous féliciter. Aux citoyens, halte, stop à l'utilisation du téléphone au volant. C'est un danger. Si en 2011, il y a eu au moins plus de 60 cas d'accident, ou 70 cas d'accident au téléphone au volant, j'aimerais que vous le saisissiez. Ce n'est pas pour le policier que vous le faites, mais c'est pas vous. C'est pour votre sécurité personnelle et la sécurité des autres usagers qui sont dans la voiture. Mais n'essayez pas de vous tromper. Vous trompez vous-même, mais pas pour la police. Donc l'appel que j'ai lancé, c'est de vous ressaisir. Ressaisir à ne pas remettre le téléphone aux enfants au volant, à ne pas utiliser le téléphone vous-même en tant que père de famille et à vos épouses et à vos amis. Soyez mon interprète. Sensibilisez les uns et les autres pour qu'on bouge ensemble, pour qu'on développe ensemble cette question de téléphone au volant. Bonne et heureuse année à tous les Guinéens. Commissaire, merci et bonne et heureuse année aussi à vous et à votre famille. Merci. Assez. Et je peux vous dire que la plupart des usagers utilisent le téléphone. Quelque chose qui est très, 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 très dangereux en matière de la circulation routière. Et ça provoque assez d'accidents. Ça se défait même que l'État a pris des décisions tout en émettant un texte condamnant ou sanctionnant sévèrement cet acte. Et ce texte, toute personne, tout usager qui utilise le téléphone doit être sanctionné, doit avoir une contravention de police de 40 000 francs. 40 000 francs. Et le reçu est payable. Est payable seulement au trésor public. Ce n'est pas en remettant l'argent à l'agent, non. Mais on vous verbalise, vous prenez le reçu, vous allez vous-même payer. Vous payez au trésor public et ça va dans la caisse. Et je vous affirme encore une fois de plus que le téléphone au volant, si vous connaissez le danger, si nous les Guinéens, nous connaissons le danger, on ne peut pas se permettre de faire, d'utiliser quand on conduit. Parce que ça provoque assez d'accidents. Bien avant les sanctions, on a passé d'abord une sensibilisation médiatique et ensuite les agents de toutes les routières, y compris la brigade mobile, on les a mis à la tâche pour sensibiliser les gens qui sont pris dans ces conditions. Je leur demandais si vous répondez au volant, c'est ce qui va vous arriver, c'est ceci, c'est cela. On a fait ça pendant des mois et des mois, avant que le texte tombe. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas continuel, hein, ça passe à l'autre. Bon, vous savez, chez nous ici, c'est un peu difficile. Les gens, il faut les frapper, il faut les sanctionner pour qu'ils abandonnent les vieilles habitudes. Il faut les sanctions disciplinaires. Et ceux-là qui sont toujours pris et sanctionnés à ce que faire. Récemment, dans une de mes émissions, on appelle la truc astuces et conseils. Oui. Je suis là en train de
motards, oui, les motocyclistes, oui, sans casque, oui, seront sanctionnés. Oui. Mais jusqu'ici, on sent des motards dans la circulation, ils ne portent pas de casque. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que quelque part il y a un délestage? Oui, bon, c'est pas un délestage, je le dis. Vous savez, notre mission. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce qu'un motard sans casque, c'est une personne exposée à la mort. Ça, je vous dis, hein. Parce que, à un niveau d'accident sur la moto, je vous affirme que c'est l'intéressé est irrécupérable. Donc, le casque est utile. On n'a pas de laisser. Nous sommes en train de se battre, nous sommes en train de prendre encore des mesures. Puisque l'affaire là, le problème de casque ne se limite pas seulement aux citoyens simples. Hein. Je vous dis, même nous les porteurs de tenues qui détiennent des motos, n'utilisent pas souvent les casques. Et notre question centrale, ça il faut le dire, a toujours insisté sur ça, surtout les motards. Les motards de la police, les motards des corps à pied. Donc, on a toujours insisté. La direction centrale, la direction générale sont en train de prendre des nouvelles mesures. Qui qu'il soit corps à pied, qui soit citoyen simple, qui roule sur la moto sans casque, il y a des mesures qui sont prises à cet effet. Et vous verrez dans les jours à venir. Bon, je vous ai dit tout ce là. Pour ça d'abord, c'est on les sanctionne contraventionnellement. C'est les mesures, c'est les sanctions contraventionnelles qui ne sont pas les imposer. Et ça, on les donne un reçu de la 4e classe, vous allez qui équivaut à 40 000 francs. Donc on peut s'attendre à ces mesures. Tout à fait. Non, c'est... D'ailleurs, on continue. Mm-hmm. Nous continuons à sanctionner. Nous continuons à sanctionner. Donc on ne s'est même pas à s'attendre à faire ça. Non, mais on continue. La sanction continue. Je profite de l'occasion, c'est de demander à tous les usagers, tous les sexes. Vous savez, quand on passe dans une autre école, on comprend facilement le danger d'un véhicule, d'une moto. En tout cas, il y a un danger pour l'âme. Que les gens s'abstiennent, que les gens chassent qui sont humains, qui doivent vivre l'an 2012 aussi. Il ne faudrait pas qu'ils se donnent trop à l'alcool pour se placer derrière la direction d'un véhicule. Donc c'est ce conseil que je demande pour tout un chacun. L'indiscipline des conducteurs, c'est fréquent. Parce qu'on a tout fait, on a tout fait. Présentement, quand nous prenons quelqu'un au téléphone au volant, nous le perdons maintenant, on l'immobilise et on le verbalise à 4e place. Donc, 4e place, ça veut dire 40 000 francs. Ok, et si c'est la 5e place? La 5e place, c'est 100 000 francs. 100 000 francs. Ok, d'accord. Il vous arrive de voir des gens qui résistent à vous appeler? Deux fois, oui, deux fois. Ça, c'est des disciplines. Et qu'est-ce que vous faites quand là, on le fait traiter par là. D'ailleurs, les mois passés, là, on a beaucoup fait. Même on a reçu beaucoup tellement de véhicules qu'on a eu à raisonner pour téléphoner. Voilà. Et c'est ce qui cause beaucoup d'accidents aussi.